Parmi les principales recommandations ou les principaux résultats de cette deuxième édition, c'est que tout le monde, quasiment à l'unanimité, a insisté sur l'importance de devoir se mettre ensemble pour faire une réalité, pour faire de l'hydrogène en général et de l'hydrogène vert en particulier et ses applications, ses dérivés, une réalité, il faut se mettre à plusieurs. نعي أن أهمية هذه المشاريع الكبرى تتطلب منا جميعا أن نشتغل أكثر من أجل تحسين البنية التحتية للجهات وجعلها تتلائم مع الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة فيما يخص الطاقات المتجددة وأيضا الرؤية يعني التوجه الدولي اليوم من أجل النجاعة الطاقية ونحن الآن كما تعلمون جهات المغرب وجهات إقليمي موادون أيضا On peut dire que l'hydrogène fera partie des paniers, du panier d'énergie du futur qui permettront peut-être, s'il y a une véritable transition énergétique à l'échelle mondiale, de substituer au moins une bonne partie des hydrocarbures, pétrole, gaz, charbon, avec des sources d'énergie moins carbonées. Mais pour autant, on est encore loin du développement mondialisé de l'hydrogène. Il y a effectivement une mode, il y a beaucoup d'investissements, il y a des industriels qui se positionnent. Mais pour autant, il va falloir qu'il y ait au niveau mondial une forme de concertation pour qu'effectivement il y ait une transition qui se fasse autour de l'hydrogène ou de ses dérivés. Donc cette industrie, il y a une forte recommandation pour qu'on parle d'elle et pour qu'on la mette au carrefour ou au centre du débat, parce que c'est par là aussi que passe la baisse de coût de l'hydrogène vert qui va permettre la décarbonation.